Alors, pour l'enfilage classique de la machine, on va démarrer ici, d'accord? On a mis notre bobine sur le porte-bobine horizontal avec le bloqueur et on va suivre les chemins que nous propose la machine. Donc, elle nous propose de passer derrière cette partie et de descendre en ligne droite. Ici, on trouve le point 2, on descend tout droit. Ensuite, on va tourner autour du point 3 qui sera en dessous ici, puis le point 3 nous indique de remonter. Et ici, on trouve le point 4 qui est faire le tour de cette pièce-là métallique. Donc, on passe à droite et on ressort à gauche et le fil va s'enclencher dans cette pièce-là. Puis, on redescend. Voilà, on a fait le parcours du haut. Maintenant, on arrive ici en bas au point numéro 5. Donc là, on va venir s'enclencher derrière cette petite pièce de métal qui est ici en haut. Hop là, et là, on y est. Voilà, donc on s'est mis ici derrière ce petit clip. Voilà. Et ensuite, la dernière étape avant d'utiliser l'enfilage automatique est de venir se mettre derrière ce petit crochet ici. Voilà, là sur le côté. Et ensuite, on va descendre l'enfileur automatique. Donc, c'est cette petite pièce grise que l'on descend et qui a un tout petit crochet au bout qui va venir se placer dans l'aiguille. On vient placer notre fil ici, au plus près, dans l'enfileur. On relâche tout doucement et voilà, notre fil est rentré. Voilà. Voilà pour l'enfilage supérieur. Alors, on se place ici avec un autre point de vue pour retester. Donc, on est rentré dans ce petit... On est rentré ici en haut. On est rentré derrière dans ce petit crochet ici. Et maintenant, on descend l'enfilage automatique. On passe notre fil de la gauche vers la droite jusqu'au bout. Et on relâche celui-ci. Et là, notre fil est rentré dans l'aiguille. Et on n'a plus qu'à récupérer la petite boucle, cette petite boucle-là. Et voilà, le fil est rentré. La machine est enfilée au niveau supérieur. Pour le fil du bas, pour le fil inférieur, on va venir placer notre canette dans le porte-canette. Alors, sur la 9077, on a un enfilage horizontal. Donc, la canette est tout de suite localisée ici. Il nous suffit de retirer la petite plaque. On enlève la canette qui est vide. On prend notre canette. On la positionne comme ceci. Et on fait rentrer le fil, comme la flèche nous l'indique ici, dans la petite rainure. Comme ça, et voilà. Et là, le fil a un petit peu plus de résistance et c'est ça qui va assurer la tension de notre fil inférieur. Si vous avez un doute sur le sens de position de la canette, elle est répétée sur la petite plaque protectrice. On remet la plaque. On a notre fil supérieur, il passe dans le pied. Notre fil inférieur, il va derrière la machine. Et nous sommes prêts à coudre.